When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin. On va approcher là du glacier, on a encore 5 minutes à pied pour aller rejoindre vraiment le bord du glacier. On fera vachement attention parce qu'il y a encore de la neige entre le glacier et les rochers. Et puis après, on va mettre la corde et on va vraiment gravir tout le glacier à travers les crevasses. Là. Ça sera hyper joli. C'est pour tout le monde le premier glacier là. C'est cool là. Toutes les pointes du crampon en contact avec le sol. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être comme ça. Toujours tu as deux points en contact. C'est hyper ludique quoi. On a pu vraiment jouer dans les crevasses, monter, descendre, faire des, vraiment un début de, d'escalade de glace, voir des trous béants de 40 mètres de profondeur bleu magnifique. Enfin, on a pu vraiment passer vraiment au plein centre du glacier. Là on voit bien le sommet de la barre des écrins, 7102 mètres, plus haut sommet des Hautes-Alpes évidemment, et puis globalement des Alpes du Sud, hein, des écrins. Et je pense que ça a fait des émotions un peu à tout le monde, et c'était top ouais.